Monde. Alors aujourd'hui ce sera le petit haul de chez Noz. Ça fait un bout de temps que je n'étais pas allée, en même temps tout le monde sait pourquoi, hein. Du coup je commence tout de suite. Il y avait tout un arrivage d'écharpes et j'adore les écharpes. Du coup j'en ai pris une comme ceci, orange avec des roses. Où est le prix? À 1,75 €. Et j'en ai pris une autre comme ceci qui est à 1,75 € aussi, du coup qui était comme ça. Vous voyez bien avec des motifs floraux encore. Voilà. Alors ça c'était en promo, c'était il me semble 50%, donc de 3 €, c'était 1,50 € des petits filets pour la machine à laver. Moi je trouve ça trop pratique, donc il y avait plusieurs tailles, j'ai pris celle-ci, en plus il y en a deux dedans. Très bien. À 99 centimes des gants, je suis abonnée aux gants maintenant parce que dès que je fais une manucure ou les faux ongles ou tatatitatata, comme je me lave déjà très souvent les mains, ça m'embêterait en plus de avec la lessive et la vaisselle de dégommer les ongles en deux-deux, quoi. Donc, alors ça c'était une crème pour la figure de la marque Wet Agafia, crème de nuit à 2,50 €. Il y avait plusieurs sortes, plusieurs, là c'était nos roses blanches, je crois que c'est ça, et il y avait d'autres parfums. Il y avait tout un arrivage de pochettes cadeaux. Je trouve ça trop bien, pratique et pas cher, parce que ça en général, une petite pochette comme ça en grande surface, t'en as pas moins de 4 €. Donc à 79 centimes celle-là, pareil, le même prix avec des fleurs. Celle-ci 59 centimes avec des fleurs, on dirait. Ouais, c'est des fleurs. Et 59 centimes. Un petit toucan, j'aime beaucoup. Alors next, je me suis pris des petits talons comme ceci, marron, simple, mignon, et elles étaient à 5 et quelques, j'ai plus le ticket, je sais plus où je l'ai mis, je crois que je l'ai jeté. Et qui sont super confortables, sachant que bah, j'ai beaucoup de talons mais qui sont plus hauts, donc des fois en été j'ai pas envie de faire attention à comment je marche, donc ça c'est très bien, et en plus j'avais pas de marron, donc okay. J'ai aussi pris celle-ci qui était à 3,99 €, des petites sandales toutes simples, juste avec les petites cordes c'est là, parce que ma paire m'a abandonnée. Elle est morte, ma paire précédente a cassé, je suis dégoûtée, du coup voilà. Et ah ben là il y a le prix original, 14,50 €. Il y avait une autre paire que j'avais beaucoup aimée qui était blanche en sandales avec des perles dessus, elles étaient trop belles, je les ai prises, sauf qu'en fait il n'y avait qu'une taille, c'était une taille 8, je fais du 7. Du coup je me suis dit, bon ben, je vais les acheter, je vais les essayer, si elle ne va pas, je ramènerai. Mais c'est ce qui s'est passé. Du coup je suis un peu deg. J'ai acheté des graines, et donc celle-ci, les duchesses, boléro, sauf que ben, la période pour les planter, ben c'est passé, du coup ben, ça attendra dans le placard l'année prochaine, à moins que je ne sais pas si je peux les planter et
C'est une bonne idée si je les plante maintenant, quoi. Je sais pas, faut que je fasse des recherches. On en parle de ça? Ah bah oui. Il manque encore celle-là. Hop. Et je crois que c'était 39 centimes les petites graines, je crois. Du coup, il y en avait des différentes. Donc, ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Et ça, c'est pareil. Donc, celui-ci de masque anti-fatigue, je l'avais déjà essayé et je l'avais trouvé vraiment trop bien. Marché du feu de Dieu. J'avais trop kiffé. Du coup, là, avec leur arrivage, je me suis dit, bon, je leur prends, hein, c'est clair. Hein. Voilà. Ensuite, il y avait les mêmes anti-fatigue, mais patch pour les yeux. Donc, ça à tester. Et anti-pâte-doigts pour les yeux aussi. Ça, c'était trop bien. Il y avait d'autres sortes, mais c'est après, c'était pour les gants, pour les mains. Ou un autre sort pour la figure, je crois, mais ça m'intéressait pas les effets produits, donc non, attends. Alors, j'ai pris un savon d'Alep traditionnel et un savon d'Alep à l'argan, donc 1,98 et celui-là 1,98 aussi. Pourquoi j'ai pris des savons? J'avais déjà des savons à la maison, oui, sauf que j'ai des proches qui m'ont dit les savons d'Alep, c'est trop bien quoi, faut vraiment que tu essayes, surtout si t'as de l'acné ou quoi, c'est ben, le produit miracle, mais ça aide beaucoup apparemment. Donc j'attendrai de voir. On arrive au bout. Un fluide solaire indique trop de protection à 10,50. À 1,49, c'est un petit pot, hein. Mais ça c'est trop bien si par exemple on va en ville le mettre dans la sac à main et comme ça fait super chaud dehors, au moins il y a le petit pot et pas besoin de se trimballer le gros truc quoi. Et à 1,49, un pinceau que j'ai depuis très longtemps, pas forcément cette marque là parce que je connais pas. Je connais pas cette marque, mais pour un bourron comme ça, pour les joues, pour la lighter ou le blush, il est trop doux. Trop doux. C'est trop bien. Je ne l'ai pas testé encore, mais là, il n'y a aucun poil qui dégage. Franchement, je pense que ça va être un bon pinceau. Et voilà, c'est quand même pas mal de. Petite chose, ramener de chez nous. De toute façon, à chaque fois que je vais à chez nous, je trouve toujours des trucs. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!